Hello les créas, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver au magasin Action de Méru pour une nouvelle vidéo d'arrivage spéciale loisirs créatifs. Et c'est la toute première de la chaîne, donc c'est un honneur pour moi de commencer par une vidéo de loisirs créatifs chez Action. Je vous propose qu'on découvre toute l'offre en n'oubliant personne ni rien. Et je propose qu'on commence par ceci avec des kits do it yourself. 9,95€, donc ce sont des maisons miniatures avec LED. Il y a plusieurs variantes. On a celle-ci pour commencer. Ça a l'air quand même balèze. Hein. Voilà, c'est ça. En termes d'âge, c'est 14 ans et plus. Donc on est quand même sur quelque chose voilà, qui ne correspond pas aux enfants déjà. Celle-ci est sympa aussi. Garden House. On a le Sweet Café aussi. Voilà, l'autre fois, il n'y en avait pas beaucoup. Là, ils les ont tous mis. Donc ça, c'est 9,95€. Pour la dimension, ça fait environ 15 par 22 et 17 de hauteur. Je vous emmène juste en dessous. Regardez, on a des petits hobby perles. Des tubes, il y a 16 pièces au total. Ça coûte 1,49€. Et normalement, je pense qu'on peut avoir plusieurs couleurs. Regardez, je vais essayer de vous les trouver. Tac, on a du vert ici. J'ai cette variante également. Donc les 16 tubes, 1,49€. Allez, le temps de tout ranger. Les 7 de perles rocaille, 4,95€. Il y a 14 cases. Le petit truc, c'est qu'il y a la boîte de rangement. Donc ça, c'est chouette. Ça se range directement dans son tiroir. Et à côté, j'ai la Luxury Bed Box. Je ne sais pas comment on dit. Ça coûte 4€. Il y a une pince qui est fournie avec. Ça, c'est pour faire des bijoux, je pense. Je passe du coq à l'âne. Hein. Par ici, j'ai des blocs papier design de luxe. Ça coûte 1,35€. 26 feuilles, 26,7 par 20 pour la dimension. 1,35, il y a plusieurs variantes. Hein. Vous avez le thème du safari, vous avez le thème flower aussi. Les clear stems avec pochoir, il y a plusieurs variantes. C'est 1,49€. Je vais essayer de tous vous les montrer au maximum. On a celui-là. Ça, c'est incroyable, la folie. Hein, ceux-là, ils sont nouveaux, je crois bien, je ne les ai jamais vus. Donc, 1,49 au choix. Et à côté, j'ai ceux-là, avec les matrices. Non, ça, c'est Clear Stems Embossing Folder. Il y a pas... Ah si, il y a une petite matrice. Ça coûte 99 centimes. Ça me semble pas cher. Et ça, bon, rien à voir, ce sont des autocollants bois. À 49 centimes, il y a plusieurs variantes également. Il est vraiment bien, ce magasin de Méru, pour les loisirs créatifs. Ils ont, bah, après, pour tout le reste aussi, en vrai. Hein. Le magasin est incroyable, il est super bien tenu. Tout est bien rangé, tout est bien achalandé. Enfin bon, bref, bravo au personnel. La peinture diamant, les kits Diamond Painting, 40 par 60, 5,49€. Donc c'est des kits complets avec des thèmes différents, hein, comme vous pouvez le voir. Juste en dessous, j'ai des rubans déco. Alors pour les personnes qui cherchent ces rubans, il y a des magasins où vous les trouverez dans le rayon saison. Vous ne le trouverez pas au rayon loisirs créatifs. Voilà, juste pour info. Il y a 1,50 m de rubans. Normalement, il y en a en rouge. Alors, attendez, ça va là déjà. Non, il n'y a plus de rouge. D'habitude, il y avait des rouges aussi. Il n'y en a plus. Donc juste à côté, on a des sachets en suédine, c'est 84 centimes. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, j'ai une autre chaîne hein, qui s'appelle Jolie Shopping. Je vous avais demandé ce que vous faisiez avec ça, et tout le monde m'avait répondu, bon voilà, vous mettez des billes de parfum, d'adoucissant. Il y en a qui mettent les couverts, j'ai trouvé que c'est une superbe idée, ça, les couverts pour l'art de la table. 84 centimes, il y a deux pochettes, hein. Le fil déco bricolage, c'est 74 centimes. Le rouleau, 1,5 mm d'épaisseur, 5 mètres de longueur. Et là, il y a plusieurs couleurs, on a même du bleu. Hop. J'ai ici du ruban à 89 centimes. Le ruban déco, il y a plusieurs variétés. Il y en a comme ça, des plus larges, ils font 6 mètres de longueur. Et vous avez des plus fins également, qui font 25 mètres de longueur.
Il y a plein, plein, plein de variantes. Hein. C'est 89 centimes. Et ici, on a des dentelles sur bobine de bois. Ça coûte 89 centimes, la bobine. Et il y a 300 centimètres, ça fait 3 mètres de longueur. Voilà, il y en a des verts, il y a des blancs, il y en a des plus épais que d'autres. Il y a même des couleurs un peu plus colorées. Je vais vous montrer. On a... Oh, c'est sympa, ça. Très sympa. 89 centimes, je sais pas du tout ce que vous faites avec, hein, les jolies, enfin, les créatives. Parce que vraiment, vous savez que je suis pas du tout créative. Je le dis à chaque fois. Les boutons déco dans boîte, ça coûte 1 euro. Il y a 18 pièces. Et vous avez également 175 grammes de boutons à 1,69€. Il y a plusieurs variantes également, plusieurs tailles, plusieurs couleurs. Regardez, je reste avec vous et je vous propose qu'on fasse un petit point sur le rayon laine. Alors, ça, je crois que c'est les arrivages, les derniers. Hein. Les fausses fourrures, 4,29€. Il y a 200 grammes, 120 mètres de laine. Il y a plein de couleurs différentes. C'est tout doux. Oh, qu'est-ce que j'aimerais savoir tricoter pour me faire un gros maxi pull là pour traîner chez moi. Donc 200 grammes, 120 mètres, c'est 100% polyester. Et pour les aiguilles, qu'est-ce qu'il vous faut? C'est des aiguilles 10-12. Crochet 10-12. Aiguilles et crochets. Donc là, on a toutes ces couleurs-là. On a du noir aussi. Et là, on a la maille chenille. Moi, j'appelle ça chenille. Je ne sais pas si c'est bien ça. Vous avez 288 mètres, 300 grammes de pelote. Et là, ce sont des aiguilles ou crochets 6-7. Juste ici. Pareil, là, on a de trop, trop belles couleurs. Vous voyez? Ces deux-là, superbes. On a également ces grosses pelotes. Donc là, c'est 212 mètres et il y a 425 grammes. Je ne sais pas si vous voyez, il y a du fil métallique qui est incrusté. Ça coûte 5 euros. Et là, c'est des aiguilles 10, crochets 10 qu'il vous faut. Il y a plein, plein, plein de couleurs. Hein. Vous voyez, il y a du gris, du rose, du bleu dans différents tons. Et la laine chunky, elle est à 3,99 euros la bobine. 200 grammes, 80 mètres. Et vous avez besoin d'aiguilles ou crochets numéro 12. 4 euros. Je me suis déportée par ici. Je vous propose qu'on découvre un petit peu les dies, les cutting dies. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a rien à voir avec des cutting dies, mais là, ce sont des cartes de vœux. Non. Bon. Cartes de vœux plus cadeau, enveloppe. 16 cm, c'est 59 centimes, je ne connaissais pas. Allez, les cutting dies, on est à 3,39 euros en termes de tarifs. Celles-ci, elles sont à 3,29 les petites. Est-ce qu'on en a des nouvelles? Sympa. Pour les machines, je sais qu'il y a plein de jolies, je dis jolies parce que c'est mon autre chaîne, mais ça sera maintenant, tout sera ici, que loisirs créatifs, qui m'avait demandé pour la machine, j'en ai vu sur Oni dans le 95, ils en ont plein, ils en ont au moins une vingtaine en stock. Donc ça, c'est 3,39 les matrices, 3,29. Et à 3,39, on a celle-ci. Ça, c'est quoi? C'est un van? Ah oui, c'est un food truck. 3D Shaker Dies à 6. Wishing you a happy day. Là, il y a écrit quoi? Celebrate today. Là, c'est l'orage, la pluie et le beau temps. Oui, ça, c'est nouveau, je crois, je ne les avais pas vus. Donc, 3,39€. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Est-ce qu'on a des nouveautés? J'aimerais bien voir ce qu'il y a ici, comme autocollant, par exemple. Alors ça, non, c'est pas nouveau. Ça coûte 59 centimes, la planche. Et là, vous avez toujours plein de couleurs. Je sais que ça fait un carton, ces petites pierres. Il faut dire que c'est vraiment pas cher. Hein. Il faudra que je refasse une vidéo loisirs créatifs chez Nose. Ils ont des trucs sympas. Et Nose distribue même des articles qu'on trouve chez Action. Je vous montrerai la marque. Là, on a un outil d'estampage à 3 euros. 26 par 21, le kit.
Est-ce que je peux vous donner des informations supplémentaires? Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Par exemple, donc on vient sur les tampons Cling et Clear, superposition et réestampillage, fond antidérapant, utilisation d'une feuille de mousse pour les tampons Clear. Donc en termes de contenu, vous avez une plateforme d'estampillage, une feuille de mousse, deux aimants, les tampons ils sont pas inclus. À garder hors de la portée des enfants, et voilà, la plateforme elle fait 16 par 21. Et à côté, on a des sets de lettrage complets à 2,99€ les 10 pièces. On va regarder, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Un jeu de lettres, 10 pièces, voilà, tout simplement. Ça, c'est 2,99€. Ah, mais voilà, c'est cette marque que Nose distribue aussi, DecoTime. Alors, les feuilles autocollantes, c'est 99 centimes, il y a plusieurs motifs. Il y a deux planches, hein, à l'intérieur. On est sur le thème un peu automnal, on va dire. Ouais, c'est ça. 99 centimes. Les rubans washi tape, c'est 89 centimes. C'est 3 x 3 mètres, 15 mm d'épaisseur. On a plusieurs sortes, hein. Ils sont bien, leur washi tape, chez Action. Toujours des petites choses. Des petites choses à coller, c'est 64 centimes, les fleurs et les cœurs. Donc on a plusieurs couleurs aussi. Que des belles couleurs. Ouh là là. Du rouge. Et à côté, on a celle-ci, les rhinestones, 84 pièces, 74 centimes. Elles sont superbes aussi. Je vais regarder s'il y a d'autres tons de couleurs. Évidemment que oui. Regardez, là, ça tire plutôt vers les roses, enfin rouge, orangé. C'est super sympa. Et les autocollants carton, c'est 64 centimes. La planche, ça, vous les connaissez bien maintenant. On peut se faire un petit point, si vous voulez, paillettes. Alors, les carousels, ils sont à 94 centimes. Il y a plein de couleurs différentes. Hop. Dans les roses. Ça me donne envie de... Ça là, ça me... mais j'aime trop, je trouve ça trop beau. Ça me donne envie d'en foutre partout, là, de mettre des paillettes dans ma vie, là, de les foutre dans ma baignoire. La nana qui est instable. Et ici, vous avez des shakers à paillettes, les 6 à 1,49€, qui sont adorables également. Alors, il y a un peu de monde, je vais laisser passer les clients d'abord. On peut faire un petit point sur les books de scrap. C'est 1,99€. C'est les grands en 30 par 30. Après, je vous emmène voir les loisirs créatifs de Noël. Donc ça, c'est 1,99€. On a le thème botanique. On a le thème jungle. Non, c'est botanique aussi. Juste au-dessus, j'ai des kits pour créer ces cartes de vœux soi-même. Pour créer 4 cartes de vœux. Ça coûte 1,89€. C'est pas spécialement le thème de Noël, mais bon, vous pouvez souhaiter tout ce que vous voulez. Hein. Pour offrir ou pour s'initier, on a des petites boxes. Il y a 26 pièces. Ça coûte 5€. C'est sympa, je trouve. Dedans, vous avez des crayons de couleur, vous avez des fusains, vous avez des petits blocs. Il y a le petit bonhomme, là, je ne sais plus comment on appelle ça. Et il est en miniature, là, il est trop mimi. Ça coûte 5€. Artbox. Sketchbook, vous avez la gomme, un mannequin, 6 sketch pencil, un black charcoal pencil, un white charcoal pencil, 12 crayons de couleur et vous avez un bloc un bloc de coloriage de 20 feuilles. 4,95€. Les 7 airbrush, c'est 9€. Vous avez 12 marqueurs plus un modèle. Alors, kit d'art aérographe, un aérographe qui fonctionne avec une pile AA, donc la pile n'avait pas comprise, 12 couleurs de marqueurs vaporisateurs, AR, 8 couleurs unies, 4 couleurs néon et un pochoir en 20 par 20. Voilà les couleurs. Ça coûte 8,95€. Crayon de couleur 46 pièces, 5,99€. Ouais, c'est sympa ça. C'est bientôt Noël en plus, donc franchement, pour le coup, moi j'ai une belle sœur qui adore les loisirs créatifs. Je pense que je pourrais lui offrir, plutôt que d'offrir un truc que je ne sais pas si elle s'en servira, mais peut-être offrir une grande box avec plein de choses pour faire des loisirs créatifs. Je pense qu'elle sera contente. Donc ça coûte 5,99€.
Vous avez 46 crayons de couleur, pardon, avec une pochette. Donc c'est juste sympa. Merci, Action. Le papier bulle, c'est le rouleau qui fait 50 de largeur et 50 mètres de longueur. 1,59€. Non, c'est pas 50 mètres, c'est 5 mètres. 50 mètres, 500 cm, voilà. C'est 1,59€. Je reviens au rayon crayon de couleur et feutre. On a ici des marqueurs mix à base d'eau. C'est 2,24€. Il y a plusieurs variantes. On a ceux-là, 1,49€. Ce sont des marqueurs métalliques. Pareil, il y a plusieurs tons de couleurs différentes. Hein. Et alors ça, c'est un set d'écriture papier foncé. Les 15 pièces, 2,49€. Donc on a des stylos un peu flashy et on a des couleurs métalliques. Pas mal pour le prix. Et alors là, on a encore une petite pochette, les 24 marqueurs. Avec différents embouts, c'est 5,99€ livré dans sa petite pochette. Pour la pâte polymère, l'argile polymère. On n'a pas de nouveauté, hein, on a toujours celle-ci. Les 18 petits blocs de 16 grammes, c'est 3,95€. Et à côté, vous pouvez acheter en individualité, comme ça, par 4, à 1,18€. Et là, vous choisissez vos tons de couleur. Donc, on a ceux-là, et il m'en reste une ici. Ouh là là, la voici. Là, on a de la peinture. C'est de la peinture, ça? Je croyais que c'est de la colle pailletée. Ça coûte 99 centimes, les deux tubes de 40 millilitres. Pareil, vous pouvez avoir différentes couleurs pour vos créations. Juste ici, on a des marqueurs craie pointe fine à 99 centimes. Pareil, plein de couleurs différentes, hein, comme d'hab. Et on a encore des petits feutres métalliques à 2,24€, les 8. Il y a plusieurs couleurs et les pointes sont comme ça. Alors ça, je ne connaissais pas du tout. Set de gribouillage créatif. 1,69€. Qu'est-ce que c'est que ces quatre? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 4 fineliners, un crayon, une estompe et 5 cartes d'art vierge. Encre de qualité d'archivage, encre micro-pigmentée pour des lignes résistantes à l'eau et à la décoloration. Vous voyez là les embouts? 1,69€. Ça, c'est Writing Toolset. On n'arrête pas le... Pour le papier noir et papier coloré. Donc, 1,49€ les 5. Et ici, on a des marqueurs 4 pièces à 99 centimes. Vous voyez, les pointes sont différentes. Bon, y a des trucs de fou. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Hein. Feutre de calligraphie, les 3, c'est 99 centimes. Et après, on a ceux-là que vous connaissez bien maintenant. Hein. À 99 centimes, les 4, c'est double embout. Vous avez embout brush et embout pointe fine. Pareil, vous choisissez vos couleurs hein, après, en fonction de ce qui vous plaît. Je vous propose qu'on continue, qu'on aille voir un autre territoire. Je vous emmène, il y a un peu de monde ce matin. J'ai atterri côté peinture. Donc on a des peintures perles, 1,69€, les 6 tubes de 20 ml, elles sont super belles. Et on a celles-ci aussi qui sont... alors ça, c'est des pastels métalliques. Ça coûte 99 centimes, les 12 pièces. La gamme est super belle. Il n'y a pas très longtemps qu'ils l'ont sorti. Côté peinture, on a des grands kits de peinture acrylique ici à 7,95€. Donc il y a 20 tubes de 59 ml. Là, il y a ce qu'il faut. Hein. Et après, j'ai des peintures aquarelles à 2,16€. Ça, c'est la gamme pastel. Vous voyez, les couleurs sont là. Et normalement, j'en ai une autre. C'est des couleurs un peu plus vives. Ouais, c'est celle-ci. C'est la couleur les bright, brillants. Donc, 5 x 30 ml dans des petites fioles en verre. 2,16€. Et je vous montre encore un truc. Deux trucs. C'est ça. Peinture acrylique 4 x 80 ml. Donc là, vous avez le choix entre pastel, ça c'est les pastels. Normalement, il y a des néons aussi. Ouais, c'est celle-ci, les néons.
ça aussi c'est arrivé il n'y a pas très, il y a pas très longtemps. Set de peinture acrylique, on a 36 tubes de 20 ml à 5,95 €. On a des petits carnets à croquis, spirale, 80 pages, 120 grammes, 96 centimes. Hop. Parfait. Voilà les créas, ma vidéo du jour est terminée pour une première. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la page Arrivage Loisirs Créatifs. Voilà, une page d'arrivage dédiée aux loisirs créatifs et j'essaierai de vous emmener dans différentes enseignes. Voilà, je vous fais des gros bisous, je souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.